qui est DG de chez Birchbox, et Jean-Luc Bernard, qui est le DG fondateur de NetWave, qui est une solution de personnalisation. Je te laisse la main, Camille. Ah, et pardon. Test. Bonjour à tous. Je vous propose de directement entrer dans le vif du sujet en commençant par vous donner les définitions de la personnalisation, du CRO et ensuite de l'e-merchandising. Donc le CRO pour Conversion Rate Optimization, c'est l'action d'optimiser en continu un site internet ou une application mobile via de la personnalisation mais également des A/B tests. Donc le processus va démarrer d'abord par une phase d'analyse de toute la data disponible des clients. Donc on va analyser leur parcours utilisateur pour ensuite dégager des hypothèses d'optimisation mais également de personnalisation. Donc ces hypothèses, elles sont elles-mêmes challengées par la suite via d'autres A/B tests, puis analysées de nouveau, retestées, A/B testées, etc. C'est en fait vraiment un cycle continu, c'est pour ça qu'on appelle de l'optimisation continue le CRO. Donc, chose importante dans le CRO, c'est que toutes les actions vont être vraiment priorisées en fonction du retour sur investissement. On va vraiment capitaliser sur nos actions premières en termes d'impact et d'efforts effets. Donc, la perso, là, c'est adapter le discours cross-canal en fonction des préférences, donc des segments utilisateurs qu'on aura pu générer. Donc, la perso va se faire vraiment sur trois domaines bien distincts. Donc l'interface, quand je parle d'interface, c'est en fait le site internet. Donc ça va être par exemple pour travailler complètement la navigation du site ou faire en sorte que les facettes s'adaptent en fonction du profil utilisateur. On a également le contenu dans la personnalisation. Donc c'est l'opposition du discours, quel message je souhaite délivrer à telle ou telle personne ou à tel segment utilisateur. Et enfin le produit. Donc là, la perso va vraiment rejoindre le merchandising. Où on va proposer au final des types d'offres très concrètes en fonction du profil client, on va faire de l'upsell ou du cross-sell, etc. Donc je vais maintenant vous en dire un petit peu plus sur le merchandising. Donc mon métier en tant qu'e-merchandiser, c'est d'essayer de combiner ces trois piliers en même temps. Donc l'atteinte des objectifs. Donc quand je parle d'objectifs, c'est bien les objectifs business d'une marque. Pourquoi ? Parce que d'une marque à une autre, bien sûr, on ne va pas du tout avoir les mêmes objectifs. Si je suis un discounter par rapport à une marque de luxe, c'est sûr qu'on n'aura pas du tout les mêmes enjeux. Également, diffuser l'image de marque. Donc l'image de marque, c'est en fait au final l'atmosphère que j'essaie d'installer dans un magasin physique et que j'essaie de retranscrire sur mon site internet. Le troisième pilier, c'est bien sûr de répondre aux attentes du client. Car le client, on va essayer de plus en plus de le mettre au centre de toutes nos actions de merchandising. Donc, en quelques mots, l'e-merchandiser est là en fait pour remplacer la force de vente sur un magasin. Il est là aussi également pour mettre un merchandising visuel et performant. Quand je dis performant, c'est pour bien sûr répondre aux enjeux business de la marque et visuel, comment dire, plus inspirant. Plus pour une marque de luxe, par exemple. Améliorer également le parcours client et son expérience d'achat. Donc ça va passer par l'optimisation du parcours. Nous, en fait, le nerf de la guerre du merchandising, c'est de faciliter l'accès à l'offre produit. Donc faciliter l'accès aux pages listes, aux produits, pour ensuite générer un achat derrière. Ça nécessite donc une connaissance des produits, mais également bien sûr des clients, car on tend de plus en plus à personnaliser les parcours en one-to-one, et bien sûr avoir un bon esprit d'analyse, car chaque action que l'on va faire sur tel ou tel levier d'e-merchandising sera derrière analysée et retestée. Donc ça va rejoindre au final la perso. Donc mon terrain de jeu en tant qu'e-merchandiser, c'est la navigation. Donc c'est par exemple retravailler complètement l'entrée du header d'un site. Comme je disais tout à l'heure, nous, ce qui importe, c'est vraiment de faire en sorte que l'accès aux produits soit le plus efficace possible. Également, on va travailler sur le moteur de recherche. Pourquoi ? On va par exemple retravailler complètement le design d'une search bar, où on va décider de quel comportement on va appliquer derrière une search bar. Est-ce que ça va être de l'autocomplete ? Est-ce que ça va être de l'instant search ? Est-ce que sur mes suggestions de produits, je vais ajouter par-dessus une couche de ranking supplémentaire pour être sûr de pousser les bons produits en correspondant à mes enjeux business ou correspondant aux besoins de mes utilisateurs ?
Troisième domaine, c'est les page list et les results page. Donc j'aime bien séparer les deux parce que, bien sûr, en fonction d'où l'utilisateur se trouve, il n'a pas forcément la même intention d'achat. C'est sûr que lorsqu'il commence à taper une requête dans le moteur de recherche, son intention d'achat est beaucoup plus forte. Donc lorsqu'il arrive sur une results page, c'est à moi et merchandiser de faire en sorte que les produits proposés soient plus en cohérence avec mes enjeux business pour vraiment atteindre mes objectifs. On parle bien sûr aussi de recommandations de produits, donc c'est toutes les suggestions qui vont être dans le cross-selling, pour l'upsell, pour les produits similaires ou complémentaires. Également tous les produits qu'on peut suggérer dans les paniers. Et enfin, les push contenus. Donc c'est tous ces petits messages qu'on va adresser aux clients en personnalisant certaines bannières ou en personnalisant une home page ou des push contenus dans le header, etc. Donc ça rejoint en fait ce qu'on se disait tout à l'heure avec la personnalisation, avec le CRO. Donc tout ça, tous ces éléments, ils sont, on essaye de faire en sorte de les adapter de plus en plus aux clients en one-to-one, justement avec des solutions de personnalisation dont on parlera tout à l'heure plus en détail avec Mathieu et Jean-Luc. Mais d'abord, je voudrais vous présenter quelques case studies qu'Altima a réalisé avec ses clients. Donc Lacoste, avec la solution Algolia et Early Birds. J'aime beaucoup cet exemple. On a en fait implémenté un moteur de recherche, donc on a complètement redesigné le moteur de recherche sur Lacoste avec de l'instant search. Donc si vous allez voir le moteur de recherche sur Lacoste, vous allez voir qu'à chaque nouveau caractère tapé, il y a une page de résultats qui va se mettre en surcouche de la page sur laquelle vous vous trouvez, peu importe laquelle, et afficher des filtres également contextuels et dynamiques en fonction de la requête. Au-dessus de ça, on a appliqué une couche de personnalisation grâce à Early Birds. Donc Early Birds a été là en fait pour suggérer des requêtes à la fois pertinentes par rapport à la requête tapée, mais également en fonction de la data qui avait été récoltée en amont sur les clients. Donc data par exemple en fonction de son historique d'achat en magasin ou sur le site web, mais également de la data comportement utilisateur. Comment est-ce qu'il fonctionnait sur le site? Quelle facette il utilisait? Quelle page d'ici il consultait? Ou quelle requête il a pu taper dans le moteur de recherche? Je passe vite fait sur Guérin avec Algolia, où là également on a travaillé avec eux sur le redesign de la search bar. Et au lieu d'utiliser l'instant search, on a plutôt fait de l'autocomplétion, comme le fait en fait Birchbox sur le site actuel, où à chaque requête tapée, on a les résultats qui vont être divisés en catégories, en produits et également en contenu pour être vraiment très très inspirant. Dernier cas avec Auchan Drive et Caméléon. Donc là, c'est vraiment une solution plus d'A/B test. On rentre vraiment dans la partie CRO perso. On est parti from scratch de vraiment les données clients qu'ils avaient pu récolter justement sur le site. De là, on a recréé des segments utilisateurs sur lesquels on a créé des hypothèses qu'on a challengées et A/B testées grâce à Caméléon. Donc voilà pour les use cases d'Altima. Là, je voulais juste vous présenter quelques éditeurs de l'EBG. Alors, c'est plus ou moins notre roadmap, celle qu'on va présenter et celle qu'on va analyser à Barcelone en avril prochain. C'est-à-dire qu'on va analyser ces quatre dimensions. À la fois la partie web analytics, traitement de la donnée sur les sites web mobiles. On va aussi travailler sur la partie audit UX, que ce soit on et offline. On va aussi donc travailler avec Altima sur la partie CRO. Là, c'est une fusion entre de l'A/B testing et de la personnalisation. Et la dernière partie, aussi encore avec Altima et Camille, sur la partie merchandising. L'idée, c'est d'avoir un panel et une vue globale sur tout ce qui est et qui traite, bien sûr, du parcours d'achat et de l'optimisation du parcours d'achat web, mais aussi mobile. Ici, bien sûr, on a poser quelques solutions. Pour certaines, elles vont être évaluées. Pour d'autres, elles seront simplement présentées. Mais l'idée, voilà, c'est que vous puissiez repérer un petit peu le parcours, comprendre plus ou moins comment articuler certaines ou les enchaîner tout simplement. Merci Philippe. On peut maintenant passer à la partie questions avec Jean-Luc et Mathieu. Est-ce que vous pouvez déjà nous représenter vos sociétés respectives? Tout à fait. Tu veux y aller, Jean-Luc? Non? Ok. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Desjardins. Je suis PDG et fondateur de NexUser. Donc, c'est une société californienne. On a un bureau à San Francisco, New York et Paris. Donc, ce qu'on donne comme capacité, c'est la même capacité qu'Amazon, complètement en omnicanal. Donc, on parle de personnalisation, de recommandation, d'altération, de un peu ce que tu as présenté, Camille. Nos possibilités sont relativement importantes, aussi bien sur du web, in-app, push notification, SMS, reciblage publicitaire,
ticket client proactif, pas réactif, donc basé sur le comportement client. Et on travaille principalement avec Nestlé, Unilever, Ferrero, Adecco, Sanofi, Flunch, Etam, etc. Donc ce ne sont pas simplement que des retailers ou des e-commerçants. On a tout type de problématiques. Ça peut être des communautés médicales pour Sanofi, des candidats ou des entreprises pour Adecco. C'est relativement multicanal. Et l'originalité, je finis juste, l'originalité de notre solution, c'est qu'on s'intègre à l'outil marketing existant. Donc on est connecté à Adobe, Salesforce, SmartFocus, MailChimp, Mendrill, SendGrid, Twilio, peu importe la solution en fait, on est comme un multiprise pour le marketeur, aussi bien en entrant côté data, donc avec tout ce qui est DMP, CRM, qu'en sortant côté communication. Donc voilà, une présentation rapide. Oui, donc NetWave est une société française d'hyper-personnalisation, parce que quand je vois effectivement ce qu'on met dans personnalisation, on peut parler même d'individualisation, dont le métier, finalement, la vocation est d'augmenter l'efficience commerciale des sites essentiellement marchands aujourd'hui. On a quelques consultations par des entreprises de services, mais essentiellement marchands aujourd'hui, à travers une plateforme de personnalisation en mode SaaS qui repose sur une technologie qui est propriétaire, qui est brevetée, qui est l'analyse inductive, c'est-à-dire qu'au lieu de créer des règles qu'on applique à des cas particuliers, on a un processeur d'intelligence artificielle qui va généraliser ce qu'il a vécu dans certains cas particuliers. Voilà. Ce qui donne une agilité extrêmement forte, et nos références sont dans le domaine du e-commerce, des gens comme La Redoute, Rue du Commerce, Pixmania, Cdiscount, voilà plutôt le type de clients que nous avons. Alors je vous cite les gros, mais il y en a aussi beaucoup de petits. Notre vocation finalement, c'est d'éviter que vous ayez 200 personnes qui passent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à venir créer des règles de personnalisation en les déléguant sous votre contrôle, comme vous contrôlez un vendeur dans un magasin en lui donnant votre stratégie commerciale, c'est-à-dire l'espace dans lequel va s'exercer son intelligence commerciale, qui est une intelligence purement inductive d'ailleurs. Notre métier, c'est donc de mettre cet outil à votre disposition pour que vous puissiez injecter votre stratégie commerciale et qu'il vienne à votre place personnaliser en temps réel les parcours de vos clients, notamment en termes d'offres, de contenu et de services. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le territoire d'action vraiment de votre outil de personnalisation ? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner sur lesquels il agit ? Oui, tout à fait. En fait, ce que nous, on permet de faire, c'est sur les CPG, donc les Nestlé, Unilever, Ferrero, les boîtes de grande consommation, en fait, elles ont un problème, c'est qu'elles ont une relation des intermédiaires avec les clients, du coup, qui sont vendus en retail. Donc, elles perdent ce contact avec le client. Sur le cas en fait, de Nestlé, qui date de 2015, ils ont une initiative qui s'appelle Personalized Consumer Experiences. Et c'est une initiative globale pour toutes les marques. Et donc, on était un peu la tête de pont à Saint-Louis, au Missouri, excusez-moi, pour Nestlé Purina, qui fait à peu près 13 milliards, qui vend des aliments pour tout ce qui est chat et chien. Et un de leurs objectifs, c'était de cultiver une base opt-in, donc un peu comme les GAFA, mais d'avoir un contact client avec 7,2 millions de foyers aux États-Unis, ce qui représente 10% de leur marché, ce qui veut dire que c'est 2,65 milliards en termes de chiffre d'affaires pour eux. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser la personnalisation, mais aussi même du profilage progressif pour comprendre un peu la situation du foyer, et quel nombre d'animaux ils ont, quel âge ils ont, comment ils s'appellent, quelles sont leurs habitudes. Et du coup, après, on cultive, pas que sur l'aspect promotionnel, mais sur l'aspect contenu, une relation complètement one-to-one. Donc, on a eu cette capacité, en fait, à personnaliser sur l'aspect web, email, et même reciblage publicitaire, toute cette dimension client, d'après les données qui avaient été récoltées. Et à l'époque, ils étaient sur Blue Sky, donc voilà, qui est une DMP. Et en fait, tout ce marché de DMP, pour nous, Et maintenant, en fait, on est en relais souvent d'une DMP parce qu'on ne peut pas demander aux marketeurs d'aller connecter un segment directement à un outil marketing. Donc, il faut un espèce de chef d'orchestre qu'on représente. Donc, voilà. C'était notre étude de cas il y a 2 ans. Et maintenant, on est en train de déployer de plus en plus de marques pour Nestlé. On a gagné Nestlé Nutrition en Amérique du Sud. Et demain, justement, je suis en Suisse pour aller voir Nestlé pour d'autres marques. Voilà. Okay. Merci. Oui, nous, notre périmètre, il est pour l'instant très retail. On est vraiment, je dirais, on n'est pas le marketeur, on n'est pas celui qui va faire venir des gens sur le site.
on n'est pas le merchandiser, on n'est pas celui qui va organiser le site, on est le vendeur. Celui qui va comprendre le besoin et l'attente du client et qui, chez Darty, face au mur de 100 téléviseurs, va lui dire, selon ce que j'ai compris de tes attentes, ce sont ces 3 téléviseurs qui te correspondent le mieux. En termes de marché, donc, on est plutôt orienté vers le retail aujourd'hui, même si aujourd'hui, beaucoup de banques assurances nous consultent parce qu'ils ont envie aussi d'arriver à personnaliser leur parcours client. En termes d'assets digitaux, on va essentiellement aujourd'hui être capable de personnaliser 3 types d'assets, les contenus et services, les produits et les campagnes. Les campagnes, c'est-à-dire être capable de présenter la campagne qui a été la plus performante sur les gens qui ressemblent le plus aux visiteurs en cours en termes de taux de clic, en termes de taux d'engagement, en termes de conversion finale, peu importe, ça, après on peut le sizer. Et en termes de champ d'action, on est essentiellement digital, donc on va rester essentiellement sur votre site, que votre site desktop, votre site mobile, votre appli, bien évidemment. On peut déborder sur des assets, sur des channels de type SMS, etc. Et certains de nos clients nous demandent même, en cas de web callback notamment, parce que l'information qu'on recueille est une information chaude, hein, c'est en ce moment qu'on en a besoin et ce n'est pas dans 3 mois qu'on en aura besoin, nous demandent de pouvoir communiquer les principaux éléments qu'on a réussi à identifier sur un individu. Par exemple, vous avez affaire à une deuxième visite. La première visite était centrée sur les pulls cachemire haut de gamme. La deuxième visite est toujours centrée sur les pulls cachemire haut de gamme. La personne hésite entre ces 2 produits et elle est sensible à la vie des autres. Sur un call center, ça peut lui permettre d'économiser 2-3 minutes de prise de connaissance. Il n'est plus qu'en validation de l'attente, du besoin plutôt. Voilà. Donc on reste quand même essentiellement en termes de captation de données sur le desktop, l'appli ou le site mobile, et on peut déborder en termes de capacité à délivrer de l'information soit à l'utilisateur final, soit à un intermédiaire, sur des call centers ou sur des outils d'emailing, de SMS, etc., etc. Ok, eh bien, merci à vous deux. Je vais maintenant laisser la parole à Quentin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'activité de Birchbox ? Bonjour à tous. Alors avant de commencer, qui connaît Birchbox ? Beaucoup de femmes, très bien. Ok, parfait. Alors, tout le monde ne connaît pas, donc je vais décrire un peu ce qu'est Birchbox. On est aujourd'hui un des leaders de la vente de cosmétiques sur le digital, avec comme particularité d'avoir été le pionnier dans la box beauté, donc dans le fait de faire découvrir les produits cosmétiques chez soi via un abonnement à une box, 13 euros en France, 13 livres en Angleterre, 10 dollars aux US. On a aujourd'hui 1 million d'abonnés dans le monde, 200 000 en France, donc 200 000 femmes qui reçoivent tous les mois la box et qui payent 13 euros par mois. Et on est présent dans 6 pays. Voilà en gros ce que c'est Birchbox. Notre chiffre d'affaires, il est fait à 60% sur la partie box et à 40% sur la partie e-commerce, donc vente de produits grande taille une fois qu'ils ont été testés par nos abonnés. Et c'est évidemment notre ambition, c'est de devenir le numéro 1 de la vente de produits de cosmétiques, la box étant un bon moyen et un moyen très efficace aujourd'hui pour faire tester et pour rendre accessible les cosmétiques au digital. Voilà. Je confirme. Est-ce que comment vous utilisez la personnalisation chez Birchbox ? Donc Birchbox a 7 ans et la raison pour laquelle Birchbox a connu un tel succès, notamment en France, je vais rester sur le prisme français, on s'est appuyé sur 3 valeurs. La première, c'est la sélection. C'est le fait de pouvoir dire à nos abonnés et à nos clientes, on va vous fournir les meilleures marques, les marques qui viennent de partout dans le monde, celles qu'on a sélectionnées, mais également des marques de référence, des grandes marques du sélectif, des grandes marques de pharmacie, des grandes marques présentes chez les coiffeurs. Et tout ça dans la box et dans notre assortment e-commerce. Donc c'est pour ça notamment qu'on a ouvert une boutique pour pouvoir, notamment en France, vendre ces grandes marques-là. Donc la sélection est fondamentale. Le second point important, c'est la personnalisation. C'est comment je fais pour envoyer le bon produit à la bonne personne. Comment je fais pour envoyer la bonne box qui va fitter en fonction du profil de mon abonné, mais également par rapport aux besoins à un moment T de mon abonné. Je cherche une eau micellaire et donc je vais m'abonner pour chercher ça. Je vais lui envoyer 3 eaux micellaires. Elle va en sélectionner une qu'elle aime bien. Je vais arrêter de lui envoyer les eaux micellaires. Donc la personnalisation va servir notamment à ça, par exemple. Et donc la sélection plus la personnalisation va construire quelque chose qui est juste fondamental dans notre business, c'est la prescription. C'est que vous imaginez qu'il y a 1 million de femmes dans le monde, 200 000 personnes en France, qui reçoivent une box, qui payent 13 euros tous les mois, donc il y a un engagement, sans savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais parce qu'il y a une prescription, parce qu'il y a une curation, parce que ce n'est pas une box, c'est Birchbox, elles vont prendre le risque. Et c'est aussi ça qui crée une forte barrière à l'entrée. C'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont essayé de créer la box. Tous les grands groupes de cosmétiques, que ce soit LVMH, que ce soit L'Oréal, etc., ils ont tous essayé de lancer leur box. Ça n'a jamais marché parce qu'il y avait justement
une absence de prescription. Parce que mettre 5 produits dans un carton, ce n'est pas très compliqué au niveau logistique. En revanche, la prescription, c'est cœur. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important, et c'est grâce à la sélection, et c'est grâce notamment à la personnalisation que va se construire cette prescription. Donc vous avez réussi justement cette personnalisation grâce à votre algorithme que vous avez développé en interne, mais vous avez fait comment pour l'alimenter ? Le parcours d'un client, il est relativement simple chez nous. Quand vous vous abonnez, vous allez répondre à un questionnaire sur vous. Quel est votre profil beauté ? Quel est votre type de peau ? Votre type de cheveux ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez pas ? Bref, beaucoup de questions par rapport à ça. En fonction de ça, nous, on va venir créer les box par rapport aux besoins de nos abonnés. Donc, tous les mois, on envoie 80 types de box différentes pour venir matcher avec les attentes de nos abonnés. Et à la fin du test, à la fin de chaque mois, les personnes vont nous répondre à un questionnaire en disant bah voilà, j'ai adoré ce produit, j'ai pas aimé ce produit, c'est bon, j'ai trouvé le mascara que je cherchais, maintenant je cherche un body care. Bref, ils vont donner beaucoup d'input par rapport à ce qu'ils ont fait à la fois autour de la box, mais à l'extérieur de la box. Et grâce à ça, de manière évolutive, eh ben, le mois d'après, on va aller adresser leurs besoins de manière plus précise. Et encore de manière plus précise. Donc ça pousse l'abonné aussi à jouer le jeu et à donner beaucoup d'informations. Évidemment, cette information, elle reste propriétaire de Birchbox, dans le sens où on ne va jamais communiquer aux marques les coordonnées, etc. Mais en revanche, on va partager avec toutes les marques les retours qu'il y a eu sur les produits, et de manière totalement gratuite. C'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout payer avec les marques. Donc on va pouvoir leur dire, bah voilà, ce produit, il a été testé par les plus de 50 ans, et sur les plus de 50 ans, il y en a 40% qui ont aimé l'odeur, il y en a 60% qui ont détesté, il y en a 30% qui ont déclaré vouloir le racheter, et dont sur ces 30%, 20% chez Sephora et 15% en pharmacie. Bref, on va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, grâce à la fois à la connaissance de nos clientes, et grâce à la fois à leur action qu'elles vont faire sur notre site. Est-ce que cette connaissance cliente, grâce à l'algorithme, vous allez réussir à le mettre en place sur le site Birchbox ? Pour l'instant, on se focus vraiment sur la box, c'est vraiment la porte d'entrée. Maintenant, nous, notre vision, c'est qu'un retail, malheureusement aujourd'hui, ça reste subjectif. C'est que quand on vend une marque, évidemment qu'on va dire qu'elle est bien, sinon elle ne serait pas sur notre shop, et donc on va être relativement subjectif envers notre abonné. Et on pense que la personne qui est la plus objective et qui est le plus neutre, mais donc le plus efficace dans l'acte d'achat, c'est la cliente, c'est sa sœur, c'est le conseil de sa mère ou de sa copine, etc. Et donc, on va essayer d'utiliser Birchbox comme une plateforme de mise en relation entre les personnes. Et donc, on va utiliser la data et on va utiliser le profil de nos abonnés pour justement pouvoir aiguiller la personne dans son cycle d'achat. Je donne un exemple très concret. Aujourd'hui, vous allez sur une page produit vous cherchez un mascara, vous allez sur la page produit d'un mascara Lancôme, vous allez pouvoir voir tous les commentaires des tests qu'il y a eu précédemment dans les box, sauf que vous avez des milliers de commentaires. Donc c'est un peu compliqué de faire le choix. Vous allez pouvoir trier les personnes qui sont comme vous. Et ce n'est pas des fake profils, c'est des vrais profils, parce que c'est des gens qui ont payé 13 euros par mois, donc on identifie ces profils. Et vous allez passer de 1000 commentaires à 5 commentaires, mais 5 commentaires de personnes qui sont exactement comme vous, qui ont la peau comme ça, qui ont l'âge, votre âge, etc. Et là, vous allez vraiment avoir une objectivité. Donc ça va vraiment vous aider dans le cycle d'achat. On va aussi mettre en place tout ce qui est click-to-chat, et on va utiliser notre communauté pour justement aider nos abonnés à s'y retrouver avec l'aide de notre abonné. Jusqu'à peu, quand on a lancé à l'époque Jollybox, et on a été racheté après par Birchbox, mais au tout début de Jollybox, tout le bouche à oreille, la communauté, ça a été notre élément numéro un sur lequel on s'est appuyé pour justement avoir cette objectivité et pour construire encore et toujours l'élément le plus important chez Birchbox, c'est la prescription. Merci beaucoup. Alors, Algolia, vous utilisez Algolia, je crois ? Oui. D'accord. Vous avez déjà posé la question, en fait ? Non, je l'ai juste signalé. Pourquoi vous en faites quoi d'Algolia ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On fait du search avec, évidemment. En fait, on a utilisé Algolia parce qu'on savait que c'était une des super solutions du marché pour le search. On voulait quelque chose qui soit assez ludique et assez simple. On voulait quelque chose qui soit en temps réel. Et on les connaissait bien. On partage aussi le même actionnaire. Donc, on se connaissait aussi très bien. Donc, ça nous a aidé à bosser ensemble. D'accord. C'est efficace ? Vous êtes content ? Très efficace, on est content. Parmi les CRO, là, les Conversion Rate Optimization, je vois qu'il y a Qubit, mais Qubit, c'est quand même une suite généraliste. Ils font énormément de choses, Qubit. Et je vois que c'est toi, Camille, qui a mis Qubit dans CRO. Non, c'est le BG qui s'en est occupé. D'accord, c'est le benchmark de le BG. Bon, d'accord. Pas tomber dans le piège. Désolé. Très bien. Ben, merci beaucoup.